Bonjour à tous et bonjour à toutes, à tous ceux qui nous écoutent de loin, et bonjour à Geneviève Brisac, Caroline Sonrier, Françoise Benamou et Jean-François Chounier qui vont discuter à distance parce que la rencontre qu'on avait prévue, qui devait avoir lieu le 25 novembre à Lille, elle n'est pas possible sous cette forme-là à cause du confinement. Et on a choisi de maintenir quand même cette rencontre et de la faire à distance avec les moyens du bord. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir accepté ce format qui a ses contraintes et ses surprises. Alors cette rencontre qu'on avait intitulée, qu'on intitule toujours « Le goût de l'art peut-il se transmettre ?», elle s'inscrit dans le cadre du thème principal choisi cette année, en 2020, par Cité Philo, transmettre, éduquer, instituer. Et pourquoi parler du goût de l'art dans le cadre de ce thème transmettre ? Eh bien, on pourrait démarrer d'ailleurs avec ce que disait Bernard Lahir tout début novembre, dans le cadre d'une discussion également sur ce thème avec Adèle Van Rett. Bernard Lahir qui travaille sur les inégalités qui sont déjà instituées ou déjà présentes dans la vie des enfants avant même qu'ils ne rentrent à l'école. Mais ce qui m'a intéressée, c'est un exemple qu'il a pris, celui des parents qui lisent des livres à leurs enfants. Alors, j'espère qu'on connaît tous largement cette pratique parce qu'elle me paraît formidable, lire des livres le soir tranquillement, blottis quelque part. Alors lui, il en tire des conclusions en demi-teinte. Il dit que cette transmission du goût d'entendre des histoires, du goût des mots, du goût des phrases, elle est pour lui déjà le signe de la difficulté de transmettre parce que certains parents n'ont pas cette pratique et donc certains enfants rentrent à l'école en n'ayant pas eu cette expérience. Et moi, je pense qu'effectivement, là, il y a une question, mais je pense aussi que ça montre quelque chose de précieux, c'est-à-dire que le bouche à oreille familial, finalement, cette transmission, il n'y a pas de modèle, personne ne nous y oblige, c'est une pratique presque spontanée, même si on peut dire que rien n'est spontané, mais ce n'est pas compliqué et ça installe quelque chose de l'ordre d'une transmission à la fois chaleureuse et très efficace. Alors, si on quitte le champ familial avec ses transmissions et peut-être ses formes d'injustice, on aborde cette question qui est un peu comme un serpent de mer, celle de l'art, de la transmission de l'art, de l'éducation artistique et culturelle. Et là, on se rencontre, j'allais dire on se heurte. On peut peut-être aussi en faire quelque chose de positif. On voit un paradoxe. Notamment en France, on est dans un pays qui, dans les années 80 en tout cas, a beaucoup fait pour doter, même dans un pays très centralisé comme la France, pour doter la province, les régions, les villes, les grandes villes, les villes moyennes, de beaucoup de lieux culturels, des bibliothèques, des médiathèques, des cinémas, des théâtres, des opéras comme à Lille, des lieux patrimoniaux qui sont aussi des parcours, des musées. Et pourtant, on constate encore, et on le voit dans les grandes enquêtes sur les pratiques culturelles des Français qui sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication et dans d'autres enquêtes, on constate que les chiffres sont assez décevants. Quand on voit les bibliothèques, seulement 19% de la population est inscrite dans les bibliothèques. Pour ce qui concerne les musées, je donne des chiffres de mémoire, il faudra peut-être les corriger ou les compléter. 25% des Français font une visite une fois par an dans les musées. Beaucoup de touristes visitent les musées, enfin notamment à Paris. 25%... c'est déjà pas mal, mais c'est pas beaucoup. Dans les théâtres, les chiffres sont à peu près les mêmes. Alors, en volume, le nombre de personnes augmente, mais on dit aussi que ce sont souvent un peu les mêmes
Et précisément, ceux qui ont déjà les codes et déjà l'habitude d'aller dans les théâtres, dans les musées, dans les monuments, qui continuent à les fréquenter. Et d'où les critiques récurrentes sur les politiques publiques qui consisteraient plutôt à avantager ceux qui, je dirais presque à la limite, n'auraient pas besoin d'aide pour aller fréquenter les lieux culturels et qui en bénéficient le plus. Et pourtant, je pense que ce constat ne doit pas nous amener à, j'allais dire, jeter le bébé et l'eau du bain. Pourquoi ? Parce que où en serions-nous si les bibliothécaires, les équipes dans les théâtres, dans les musées, dans les cinémas n'avaient pas fait tout ce qu'ils ont fait dans un monde de plus en plus où est de plus en plus présente une offre commerciale extrêmement puissante et où les pratiques des jeunes ou des moins jeunes se diversifient, sont difficiles à définir de manière unilatérale. Et surtout, ce que l'on constate, c'est le nombre d'initiatives inventives, créatives, souvent durables, pas ponctuelles, pour offrir des possibilités, notamment aux enfants, de pratiquer un instrument, de visiter les coulisses d'un théâtre, de visiter gratuitement jusqu'à 18 ans ou 25 ans dans des visites accompagnées à un musée, de visiter des monuments également avec des tarifs, c'est gratuit pour les jeunes, des opérations commerciales dans les cinémas, etc. Et donc, je pense qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait, on ne peut pas dire que ces politiques soient un échec parce que ce serait pire si on n'avait rien fait, mais on ne peut pas se contenter de ces chiffres-là. Et c'est donc la question que je vous pose à chacun d'entre vous. Comment faire plus? Comment faire mieux? Comment évaluer les politiques publiques que chacun d'entre vous avait eu l'occasion soit d'évaluer, soit de mettre en œuvre ou sur lesquelles vous réfléchissez? Comment, dans votre expérience, fonder ou refonder, alors j'allais dire une politique d'éducation artistique ou une pratique d'éducation artistique? Alors, comment allons-nous procéder? Je vais vous donner la parole successivement en vous présentant à chaque occasion de vous donner la parole. Vous pourrez à ce moment-là, si vous le souhaitez, commenter cette question, donner un exemple qui vous paraît intéressant d'une expérience ou d'une pratique qui vous paraît pertinente par rapport à cette question de l'éducation artistique ou de la transmission du goût de l'art. Et puis ensuite, il nous restera du temps pour que vous débattiez ensemble, que vous échangiez. On se fera des signes pour que vous repreniez la parole. Alors, je vais commencer par Françoise Benhamou. Vous êtes économiste, professeur à l'Université de la Sorbonne à Paris. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Vous avez publié notamment « L'économie du patrimoine culturel » aux éditions de la Découverte en 2019, « Politique culturelle, fin de partie ou nouvelle saison » à la Documentation française en 2015, le livre « À l'heure numérique », papier, écran, vers un nouveau vagabondage aux éditions du Seuil en 2014. Françoise, je te donne la parole. Merci beaucoup de m'avoir associée à ce débat. Peut-être très vite, 5 remarques pour rebondir sur ce que Véronique a dit. Premièrement, la sociologie des pratiques culturelles, elle nous enseigne bien évidemment de longue date que le goût de la culture n'est pas une simple affaire de goût. En fait, que effectivement, c'est ce que dit Lahir et que disait déjà Bourdieu, Baudelot, etc. C'est-à-dire que c'est une affaire d'apprentissage et dès le plus jeune âge et dans la famille. Et d'ailleurs, l'exemple de Lahir, je dirais que c'est pire que ça. C'est pas que les parents ne lisent pas des livres aux enfants, c'est que éventuellement, il y a des lieux sans livres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livres, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de livres d'enfants, mais pas non plus de livres tout court dans certaines familles et où dans certains parcours, moi j'enseigne notamment à Villetaneuse et je peux vous dire que dans mon parcours qui va du train pour aller à Villetaneuse jusqu'à l'université, ben, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas non plus de librairie dans l'université.
Donc voilà. Deuxième point, ce qui frappe quand même, et Véronique l'a très bien dit, c'est qu'il y a un foisonnement incroyable de l'offre en même temps. Il n'y a pas de zone blanche, il y a des territoires inégalement pourvus d'offres culturelles, mais il y a de l'offre culturelle quand même partout. Et donc manifestement, ce qu'on peut dire, pour employer des termes économiques, c'est que l'offre ne crée pas la demande. Elle intensifie sans doute la consommation de ceux qui fréquentent déjà la culture, mais quant à créer une demande nouvelle, c'est très difficile. En tous les cas, elle ne la crée pas naturellement par le fait simplement d'exister. Alors, ma troisième remarque est tirée de l'expérience de la Covid et du premier confinement. On a eu une offre très inventive, hein, numérisée, avec beaucoup d'humour, avec toutes sortes de propositions, etc. Et on ne sait pas, et je trouve que cette étude, il faudra la faire, est-ce que ça élargit le public ? Est-ce que certains qui sont venus à certaines offres culturelles qu'ils ignoraient grâce à cette offre digitale, est-ce que ça les amènera à une offre en présentiel, une fréquentation en présentiel, comme on dit si bien, à aller au spectacle, ou simplement est-ce qu'ils resteront dans une offre digitale, ce qui est pas si mal, ou est-ce que tout ça disparaîtra comme c'est venu? On ne le sait pas, mais en tous les cas, on sait que les écrans nourrissent leur antidote. Hein. Tu me demandais, Véronique, si j'étais tout le temps sur Zoom toute la journée. Oui, je le suis, je n'aspire qu'à une chose, c'est au contraire, et tous mes étudiants disent la même chose. Ma quatrième remarque, j'ai presque fini. Je crois que pour sortir de ça, il y a deux voies. Il y a une voie longue qui est évidemment la vraie, si je puis dire, hein, c'est-à-dire les programmes scolaires, le fait de dégager du temps dans les programmes scolaires et de former des enseignants pour que la culture soit là, pour qu'on invite des écrivains, des artistes, etc. Et surtout qu'il y ait du temps pour cela, hein, que ce soit pas quelque chose qui dépend d'une espèce de propension de tel ou tel maître d'école pour emmener les enfants vers la culture. Et puis il y a une voie, c'est la voie, je dirais, royale, la vraie, mais qui ne donne de résultats que sur le très long terme. Alors évidemment, les politiques sont plutôt sensibles aux voies courtes, hein, c'est-à-dire essayer d'intégrer des pratiques diverses, éventuellement éloignées de la culture cultivée, dans le grand flot de pratiques élargies. C'est par exemple, j'ai vu récemment un magnifique spectacle de hip-hop à l'opéra, sur Internet, hein, en format numérique, mais est-ce que pour autant les gamins qui font du hip-hop dans les banlieues où j'enseigne vont aller regarder ça, j'en suis pas sûre. Et donc on voit bien que là il y a un énorme travail d'information pour aller vers les gens en utilisant peut-être l'outil numérique et puis d'autres. Les autres outils, c'est quoi? C'est l'événement. C'est que l'événement crée moins d'intimidation, donc peut-être que les événements sont propices à faire venir à la culture. Et puis utiliser, ne pas avoir peur quelquefois d'utiliser les pires choses du monde culturel d'une certaine manière. Par exemple, le Star System. Moi, j'ai adoré le clip du Louvre avec Beyoncé et Jay-Z, qui a été vu plus de 200 millions de fois. Et dans le fond, il y a des tas de gens qui sont entrés au Louvre par là. Et c'est déjà un premier pas. Et mon dernier point, donc, je fais partie d'un programme que j'adore, qui est le programme Demos, programme de la Philharmonie de Paris, où on essaye de faire de la musique, de participer à des orchestres pour des enfants des quartiers dits difficiles. Mais on voit bien que ce qu'on essaye de faire passer à travers des mots, ça n'est pas seulement le goût de l'art, parce que d'abord on n'est même pas sûr d'y arriver, c'est aussi un rapport à l'autorité, à la coordination, à l'éducation, à l'apprentissage. Et donc après, le goût de l'art, c'est une autre affaire par rapport à laquelle on est bien démunis. Merci. Merci Françoise. Je vais faire un abus de pouvoir. Parce que je vais faire une remarque avant de passer la parole à Jean-François Chounier. En m'écoutant et ensuite en t'écoutant, puisque je pensais aussi au lieu où il n'y avait pas de livres, je crois que c'est important de souligner que aujourd'hui, j'allais dire même dans les familles où on est supposé lire des livres, on en lit de moins en moins. Et la baisse du nombre de grands lecteurs est pour moi un signal très fort. Les grands lecteurs que je suis avec mes copines, on est une espèce en voie de disparition. Et
Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une ministre de la Culture a revendiqué assez fièrement de ne pas avoir lu un livre depuis 2 ans. Donc, je veux dire, c'est quand même, on vit dans un monde où l'élite, je mets des guillemets, mais elle se revendique quand même comme ça, a un grand mépris pour la culture. Donc, ce n'est pas très bon pour la transmission. Alors, je m'autorise à rajouter juste un point. Effectivement, la dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français, il est écrit, enfin, ou dans un commentaire du directeur du département qui a lancé cette enquête, la culture n'est plus un marqueur social pour les cadres, il ajoute, du privé. Ouf, on est dans le public. Alors, Jean-François Chounier, historien, directeur du MUCEM, du musée de la Méditerranée, ça y est, je vais buter sur le sigle parce que je ne sais plus à quoi correspond le U. Il y a malheureusement le C de civilisation qu'on essaie d'éviter, donc tu as raison d'éviter le sigle en disant le MUCEM, voilà. Voilà, donc ce musée de Marseille qui n'est pas ouvert depuis très longtemps et qui a peut-être justement une pratique de l'éducation artistique et culturelle à revendiquer. Alors, à toi la parole, Jean-François. Mais merci beaucoup de m'avoir convié à participer à votre réflexion. Je prolongerai un petit peu ce que disait Françoise et ce que tu faisais remarquer, Véronique, sur justement le fait que les pratiques culturelles, notamment si on en croit la dernière étude qui porte, rappelons-le, sur des données de 2018 et qui montre, dans le secteur des musées, je ne parlerai pas des autres secteurs, une régression en gros sur la fameuse question « Avez-vous été dans un musée au cours des 12 derniers mois ?» sur lequel nous aurions évidemment beaucoup de choses à dire parce que méthodologiquement, elle est compliquée à comprendre, au niveau de 1973. C'est-à-dire qu'en gros, après une croissance d'ailleurs qui faisait que les musées pouvaient s'enorgueillir de finalement ne pas être dans le même lot que la lecture, les cinéphiles, l'opéra et une partie du spectacle vivant, finalement on a été rattrapé par la patrouille et donc on est revenu dans le chiffre de 73. Alors en même temps… De 73, oui. C'est-à-dire qu'on est à moins de 30%, 28 contre 29%. Enfin, c'est vraiment, après avoir frôlé 35%, que 35% dans les années 90 et 2000. Alors, en même temps, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit, les quelques triaplats qu'on a pu faire, comme on dit, on s'aperçoit que c'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes 29% qu'en 73. C'est-à-dire qu'effectivement, les grandes lois de Bourdieu, pour utiliser les termes des années 60, qu'il a d'ailleurs récusé après, sur le niveau d'éducation et sur le niveau social, ne fonctionnent plus dans le même sens qu'auparavant. C'est plus un marqueur social, comme on le disait à l'instant. Et le vrai phénomène qui s'est produit ces dernières années, c'est le décrochage des 15-25 ans, très faible en matière de musée, j'entends, très faiblement compensé par une faveur accrue des 25-35 ans. C'est-à-dire, alors ça, on le retrouve dans toutes les pratiques culturelles, c'est ce que fait remarquer d'ailleurs Lou Wolf dans son première analyse des données de 2018, c'est-à-dire le fait qu'il a même fait une amusante courbe dans laquelle il prolonge, par exemple, la fréquentation de la télévision en additionnant jeux vidéo et télévision, et on voit que la télévision classique, qui a régressé aussi, hein, rappelons-le, n'a pas tant régressé que ça si on y additionne les pratiques numériques. Donc, effectivement, c'est la grande leçon, qui n'était pas une surprise, hein, de l'enquête de 2018, qui est que, et rappelons que, quand même que les pratiques de sortie culturelle, on l'oublie parfois, c'est pas seulement une affaire de sociologie, c'est pas seulement une affaire de formation, mais c'est aussi une affaire d'emploi du temps. Et on oublie toujours cette troisième dimension extrêmement importante des pratiques culturelles, c'est-à-dire l'emploi du temps est déterminant, c'est-à-dire sur des gens qui font 2-3 petits boulots et qui ensuite sont abonnés à Netflix, c'est-à-dire que la visite du musée devient effectivement compliquée dans le temps. Et on voit encore dans les pratiques culturelles, dans le même sens, une diminution forte de la fréquence lorsqu'il y a éloignement géographique, par exemple. Donc, c'est aussi une question de tout simplement, tout simplement et de manière très complexe, justement, d'emploi du temps. Alors, sur
sur le deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que évidemment la question des institutions culturelles publiques, c'est de savoir comment augmenter sa fréquentation, bien sûr, pas toujours, contrairement à ce qu'on lit dans la presse ces jours-ci, à cause du Covid, pour des questions de billetterie, parce que beaucoup d'institutions culturelles ne sont pas atteintes de la frénésie parisienne sur l'augmentation des taux de ressources propres, heureusement. D'abord parce qu'elles n'ont pas tout à fait la possibilité de le faire, mais surtout pour le vieux et vilain mot que les politiques ne prononcent plus de démocratisation de la culture, que je continue à prononcer avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et beaucoup d'interrogations au demeurant. Et donc la question, c'est qu'on a atteint, je pense, en politique publique, et ça revient à la question de donner le goût de l'art, on a atteint la limite depuis un moment d'ailleurs, mais là c'est très clair à cause des chiffres qui tombent et également de la situation exceptionnelle de l'année 2020, on a atteint la limite de ce que les politiques publiques traditionnelles sont capables de faire en termes d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire on a les politiques tarifaires les plus étendues possibles, c'est-à-dire que dans un musée comme le MUCEM, il faut vraiment bien viser pour payer, quoi. Enfin, il faut vraiment être dans la quarantaine sans enfants, enfin, pas économiquement faible, si possible venant de l'étranger. Enfin, on a un peu partout atteint les limites des politiques tarifaires. On a atteint les limites également des politiques horaires, justement, parce qu'on a longtemps pensé que c'était ce que pensait le Front Populaire, par exemple, qui a été le premier à ouvrir le Louvre la nuit, qu'en augmentant la possibilité de voir en dehors des heures de travail les musées, on ferait accéder des personnes différentes au musée. Enfin, on a atteint une série de politiques classiques. Et on est aujourd'hui, en fait, on sait que pour essayer de briser un petit peu cette fatalité de la ségrégation sociale et géographique en matière de culture, il faut investir des champs qui sont finalement des champs expérimentaux, c'est-à-dire des champs, ça veut dire faire des opérations dans les murs, évoquant ce que Françoise commençait à mentionner, c'est-à-dire utiliser les ressorts de l'événementiel, utiliser les ressorts de l'exceptionnalité, utiliser les ressorts d'un certain nombre de... Et en gros, dans un texte qu'on a fait là pour un projet qui va bientôt être annoncé, dès la semaine prochaine, on va créer un bus MUCEM pour aller chercher les gens dans les quartiers très mal desservis de Marseille, parce que Marseille, en plus, en termes, ça paraît une ville, mais on n'a pas le métro dans les quartiers nord, on n'a pas le métro dans les quartiers est, on n'a pas le métro dans les quartiers sud-est, donc ça fait, on a en gros le métro que dans le centre, c'est-à-dire dans les endroits où on peut venir à pied au MUCEM, ce qui veut dire que inutile de dire que la question des transports pour nous est une question cruciale. On s'est dit que c'était intéressant de créer un bus le dimanche qui fasse du ramassage avec en liaison avec les centres sociaux et qu'en plus il puisse être un peu plus sécure en termes sanitaires que le transport en commun hypothétique du bus 35 qui vient de l'Estac dans un fracas métallique. Et en plus, on a trouvé un vieux bus des années 70 en disant comme ça, on pourrait ajouter un peu de pollution à l'air de Marseille et surtout un peu de gaieté dans cette affaire. Donc, l'idée, c'est de se dire, pour que les gens rentrent dans un musée, il faut aller les chercher. Voilà. C'est ça l'idée qu'on essaie d'expérimenter. On l'a expérimenté avec certaines opérations hors les murs. On a fait des expos aux Égalades. On a fait ce genre de choses. Et ça, je crois que c'est la dernière frontière avec laquelle on puisse essayer dans nos moyens, nous, bien sûr. La question éducative et autres restent des questions lourdes et fondamentales. Sur lequel, d'ailleurs, on y reviendra peut-être dans la discussion, il y a aujourd'hui peut-être plus de doutes qu'il y a encore 25 ans. Il y a 25 ans, les politiques culturelles disaient « Ah, si on avait le levier de l'éducation artistique, on ferait des miracles ». Aujourd'hui, après trois plans langue, un plan langue TASCA, un plan de chaque ministre, en gros, on sait que malheureusement, ça aussi, c'est un levier qui reste
très difficile à généraliser, qui marche très bien, mais qui marche très bien sur des petites formes expérimentales. Et c'est peut-être un des sujets sur lesquels il faudra qu'on revienne plus tard. Merci beaucoup, Jean-François. Je pense que, effectivement, les formes expérimentales, elles sont vraiment pas à dévaloriser, au contraire. Souvent, elles rentrent pas dans les cases, on les voit moins, ça fait partie des réflexions à avoir. Je passe la parole à Caroline Sonrier, directrice générale et artistique de l'Opéra de Lille, en disant que l'Opéra de Lille, et j'espère qu'on pourra le voir sur le site de Cité Philo, a notamment créé le projet Fine Oreille, qui rassemble des ateliers de pratique vocale pour enfants dans les quartiers défavorisés de la région des Hauts-de-France. Caroline, à toi la parole. Merci, merci de me donner effectivement l'opportunité de participer à ce débat vraiment qui soulève beaucoup de questions. Et évidemment, déjà dans les deux premières interventions, il y a beaucoup de choses évidemment qui seraient des sujets intéressants à débattre. Et donc, je vais rejoindre un petit peu ce que disait aussi Jean-François Chounier, puisque nous sommes aussi structure culturelle et donc avec cette question de la relation publique et dans un établissement un peu particulier, puisque l'Opéra de Lille a été fermé pendant un certain nombre d'années et nous avons rouvert en décembre 2003 et avec un nouveau projet qui a vraiment été orienté et avec une volonté de la maire de Lille d'orienter ce projet vers une ouverture à un public très diversifié sans pour autant oublier donc une mission principale qui était celui de la création contemporaine, de l'innovation et de faire des propositions de haut niveau artistique. Évidemment, pendant toutes ces années, on a expérimenté effectivement beaucoup de choses pour essayer de faire des propositions qui aillent dans ce sens-là. Je pense qu'il y avait d'ailleurs un certain succès, hein, puisque on a eu quand même dès les premières années beaucoup de jeunes et un public assez diversifié. Pour autant, on reste quand même toujours dans cette frustration que ce public effectivement reste relativement peu élargi et en tout cas très peu diversifié surtout. Et que on voit bien qu'effectivement il y a un public qui ne sait pas qu'il existe un opéra et ne fera pas la démarche d'aller à l'opéra, même si, comme toute structure culturelle, évidemment, nous avons des relations très régulières avec à peu près 130 établissements scolaires de la région, donc qui viennent à l'opéra, etc. Mais on est là vraiment dans le contact par groupe et dans un cadre scolaire. Et même si nous faisons, nous, des rencontres avant pour préparer les enfants, ça reste une sortie dans le cadre scolaire. Donc, il y avait vraiment aussi cette question de l'individu, de la relation à l'individu. Alors, j'avais réfléchi à l'époque à un certain nombre de projets et puis pour différentes raisons, je me suis dit que finalement, aller chercher un public, d'une part, j'avais envie qu'on aille sur le territoire en se disant, bon, on a toujours essayé d'attirer le public à l'opéra, mais allons sur le territoire, allons à la rencontre de ce public-là. Peut-être qu'il ne viendra jamais à l'opéra, au moins il y aura eu cette première rencontre et puis on peut espérer quand même qu'il y en ait qui viennent. L'autre question aussi, c'est que je me suis dit, il faut que ce soit une relation dans la durée, parce qu'évidemment, on fait beaucoup d'actions, mais c'est souvent effectivement à la rencontre d'enfants ou d'adultes, ils viennent à l'opéra, peut-être éventuellement sur un parcours de plus de un spectacle, donc ça peut être deux, ça peut être une visite, ça peut être, mais ça reste quand même très ponctuel. Et finalement, ce que demande l'art, c'est quand même aussi une forme d'engagement. Alors, surtout dans la pratique musicale ou dans notre domaine de la musique et de la danse d'une manière générale, ça demande une forme d'engagement. On peut toujours écouter de la musique tout en faisant autre chose, mais quand même, il y a quand même une attention, de même que pour la lecture, alors qu'évidemment, elle est plus individuelle, mais il y a quand même cette forme d'engagement. Donc, je voulais aussi que ce soit quelque chose qui soit dans la continuité. Et finalement, je me suis dit, pour aller chercher des adultes, que faire de mieux que de passer par les enfants? Et donc, on a créé ces ateliers de pratique vocale que volontairement, on n'appelle pas cœur d'enfant ou maîtrise, parce que ça, c'est très maison d'opéra de créer des maîtrises d'enfants, avec une sélection des enfants selon leur qualité vocale. Alors que là, c'était vraiment l'idée d'aller sur le terrain, de créer des ateliers de pratique vocale et sans aucune sélection. Pour ces groupes, que ce soit simplement des enfants qui aient envie de venir.
Et pour ça, j'ai trouvé alors une personne absolument exceptionnelle, et c'est grâce à elle que vraiment ce projet a développé, je dirais, au-delà de mes espérances. C'est Brigitte Rose, qui était en Franche-Comté à l'époque, que j'ai vu travailler, et qui a non seulement ce travail de pratique vocale et d'apprentissage vocal, mais aussi qui engage absolument tout le corps. Et tout à l'heure, il y a eu Françoise Benhamou qui disait effectivement que c'était certes un apprentissage de la musique pour Demos, c'est un apprentissage de la musique, mais c'est aussi un épanouissement individuel en fait, hein, pour l'enfant, et en plus la partie vocale qui engage le corps et qui engage tout le corps, c'est évidemment aussi très très important. Et puis avec aussi cette pratique collective, et donc c'est à la fois l'épanouissement individuel et dans une pratique collective. Donc, on a démarré ce projet, et avec l'idée d'impliquer les familles dès le début. Et alors, j'étais quand même bluffée, parce que Brigitte Rose, qui n'a peur de rien, a immédiatement proposé. On a lancé des ateliers en 2015, donc à l'automne. On en a lancé à l'époque, je crois, 7 ou 8, la première année. Et dès la fin du mois d'octobre, elle a proposé des concerts partout. Donc, tous les enfants qui étaient là seulement depuis un mois ont tous fait des concerts, et les familles ont immédiatement été intégrées dans la pratique de l'enfant, dans ce qu'il pouvait donner, dans ce qu'on pouvait réaliser. Et donc, il y a eu comme ça ce lien qui s'est créé. Donc, aujourd'hui, on a 18 ateliers dans la région, donc dans des quartiers principalement défavorisés, mais on n'a pas voulu non plus le faire uniquement, puisqu'il y a des regroupements et qu'on trouve que cette mixité, elle est aussi intéressante. Il y a aussi des communes rurales et des communes et des quartiers très très urbains. Donc, voilà, d'avoir aussi cette mixité-là. Donc, on a 350 enfants qui participent, effectivement, avec des enfants qui arrivent, qui n'ouvrent pas la bouche pendant un mois, pendant deux mois, puis qui tout d'un coup, un jour, se mettent à chanter. Et là, évidemment, c'est toujours des moments étonnants. Je dois dire que c'est extrêmement satisfaisant, à la fois du point de vue artistique et du point de vue humain. C'est assez, assez extraordinaire. Et à la fois, donc, ce lien avec les familles, il existe, il est très fort, mais on a encore énormément, nous, à apprendre, parce que vous parliez de cette inégale capacité des familles à transmettre, mais ce qui est pour nous aussi très étonnant, c'est des familles qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'un rapport au spectacle, qu'un rapport au concert. Et quand ils viennent à l'opéra, c'est impossible d'arriver à les cadrer pour qu'ils puissent se réserver. Ils se rendent pas du tout compte de ce que ça peut représenter, en fait, d'aller à un concert. Qu'un concert aussi, on y va, mais on y va quand même dans un certain respect de ce qui se passe au plateau. On peut pas venir avec un bébé de deux mois qui hurle pendant le spectacle. On peut pas. Donc, toutes ces questions-là. Et ça peut être, finalement, on se sent parfois dans une relation violente aussi vis-à-vis d'eux, parce que on a l'impression de leur imposer des choses qui pour nous sont tellement naturelles et pour eux pas du tout. Donc, ça nous met aussi à un endroit qui, évidemment, est très, très intéressant. Et puis, c'est cette question, effectivement, de la diversité du public. Alors, vous avez beaucoup parlé, enfin, Jean-François a beaucoup parlé d'expérience, hein, et donc, ça a été une expérience, alors qui est très forte, hein, parce que 350 enfants toutes les semaines, on a 9 chefs de chœur qui circulent dans la région, on les fait venir une fois par an pour un spectacle d'opéra mis en scène ou pour des concerts, donc voilà, c'est une organisation énorme. Mais à la fois, effectivement, je crois que cette relation à cette diversité et au renouvellement du public, elle doit être absolument au quotidien et avec des signes forts en permanence d'ouverture et d'expérience. Merci beaucoup, Caroline. Et en t'écoutant, je rebondis sur cette notion d'expérience et d'expérimentation au sens… ça fait un peu, au sens de John Dewey, le philosophe qui plaçait au cœur de l'éducation l'expérimentation pratique de la démocratie. Et quand Jean-François revendique le terme de démocratisation, je pense qu'on est exactement là, c'est-à-dire la mise en pratique et la vraie rencontre au travers de l'expérience durable et pas ponctuelle. Je pense que c'est pas du tout anodin. Alors, je vais passer la parole à Geneviève Brisac, romancière, essayiste, éditrice, qui a notamment publié « Sisyphe est une femme » aux éditions de l'Olivier en 2019, « Le chagrin d'aimer » aux éditions Grasset en 2018
et Dans les yeux des autres aux éditions de l'Olivier en 2014. Geneviève, je te donne la parole. Alors moi, j'ai pris des notes tout le temps pendant que tout le monde parlait. Donc, évidemment, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire parce que c'était vraiment tellement intéressant. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que… Enfin, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Je vais quand même parler du sujet. Mais je voulais dire que c'était à chaque fois captivant parce que chacune de vos interventions m'a amenée sur des terrains qui ne sont pas du tout les miens. Le musée, l'opéra, la recherche plus macroéconomique ou enfin théorique en tout cas de Françoise, et donc j'essayais de raccrocher ces boules de savoir à mes propres expériences, expérimentations. Et alors d'abord, ce à quoi j'ai pensé à une écrivaine que j'évoque dans Sisyphe et une femme et que personne ne connaît, c'est pour ça que je la cite aujourd'hui, en espérant que ça lui fera 3 ou 4 lecteurs et lectrices de plus, qui s'appelle Sylvia Townsend-Varner et qui est une Anglaise des années 30-40. Et alors, elle disait une chose plus… C'est une spécialiste de Purcell. Et elle est partie en Espagne, au moment de la guerre d'Espagne. Enfin, elle a vraiment des tas de qualités très intéressantes. Donc, elle écrivait beaucoup sur les fées, F-E-E-S. Et alors, elle disait la chose suivante, plus je vieillis et plus ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais, plutôt que ce que j'écoute ou je vois, etc., etc. Et je pense souvent à cette réflexion, ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais, parce que c'est une réflexion que je rencontre très souvent quand je vais dans des classes innombrables ou quand je prends des bus, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-François Chounier, pour aller dans des petits villages de la montagne au-dessus de Grenoble pour faire des spectacles de contes musicales, plus ou moins, je sais pas quoi, enfin des spectacles de contes musicales, tout simplement, devant un public que je ne connais pas et qu'au fond, j'aimerais connaître. Et je me dis que ce désir de faire, c'est un désir qu'on connaît très bien chez les enfants. Comme le disait Véronique, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, j'ai été éditrice pour les enfants, et j'ai observé plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est vrai que les enfants, et les adolescents aussi d'ailleurs, aiment faire des choses. Et ça, c'est vraiment important. Certains d'entre eux continuent à aimer faire des choses, donc il faut leur donner les conditions et la possibilité de faire tout en observant, tout en étudiant. Ça peut passer par des tas de choses. Caroline évoquait les chœurs, le fait de chanter. On sait qu'à la maternelle, à la petite école, les enfants chantent énormément, qu'ils adorent ça. On ne connaît pas, enfin moi je connais que des enfants qui adorent chanter. Et c'est exactement pareil pour les livres qui sont plus mon domaine, c'est-à-dire que les enfants adorent tous lire quand ils sont petits. Donc, on leur lit des albums, on leur lit des livres, et puis, ils apprennent à lire, ils deviennent grands, sérieux, ils sont à ce moment-là cadrés dans l'idée d'une certaine productivité, et ils arrêtent de chanter, ils arrêtent de lire, ils arrêtent sans doute d'aller au théâtre, peut-être d'aller au musée, sauf si on leur dit que ça va avoir des effets différenciés du point de vue de leur réussite sociale, etc., etc. Or, l'art, justement, n'a rien à voir avec la réussite sociale. Et c'est ça, je crois que c'est ça la chose que moi j'ai toujours essayé de transmettre. Alors évidemment, si ça n'a rien à voir avec la réussite sociale, peut-être que ce n'est pas très intéressant dans une époque et un monde dans lequel ce qui importe avant tout, c'est la réussite sociale. Mais justement, si l'art n'a rien à voir avec la réussite sociale, alors peut-être que ça présente d'autres effets. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? C'est la question qu'on peut se poser. Or, la réponse est la suivante, c'est que ça n'aide pas beaucoup pour la réussite sociale. En revanche, ça sauve la vie. Alors, c'est une question qui a été beaucoup posée ces derniers temps. Et j'en voudrais… Enfin, et d'ailleurs, transmettre également sauve la vie. C'est-à-dire que recevoir ce que quelqu'un d'autre transmet vous sauve la vie, mais transmettre sauve également la vie. Et j'avais l'intention de commencer cette petite présentation par un petit morceau du journal de Virginia Woolf, tout à fait à la fin de sa vie, avant qu'elle se suicide, où elle disait qu'elle avait l'impression que l'avenir était invisible, comme l'est un paysage quand les essuie-glaces vont tellement vite parce qu'il y a une pluie très violente qu'elle ne voyait plus rien devant. Quand on ne voit plus rien devant, c'est vrai que
on se sent menacé dans sa vie. Et ce qu'elle voyait avant, devant, c'était la possibilité qu'on lise ses livres et la possibilité de rencontrer les lecteurs, non pas physiquement, parce que rencontrer les lecteurs physiquement, c'est encore autre chose, mais de les rencontrer psychiquement. Un livre, c'est effectivement d'abord une rencontre. Si on ne pense plus qu'on peut rencontrer des lecteurs, évidemment, on est extrêmement menacé. Or, petite digression sur les lecteurs, puisque Françoise en parlait en particulier, je pense que les lectrices sont moins menacées que les lecteurs déjà, mais que les lectrices et les lecteurs sont affaiblis par le fait qu'on ne s'intéresse plus beaucoup à la transmission du bonheur, du plaisir de lire. C'est-à-dire que ça va bien jusqu'à 7 ans. Et puis après, on considère que c'est acquis et c'est fini. Or, évidemment, ça continue plus longtemps. Et je voulais raconter une petite anecdote à ce sujet. C'est sur les bienfaits souterrains, le côté bien creusé vieille taupe que produisent certains livres. Je connaissais une petite fille, quand elle a grandi, elle a absolument voulu, dans le premier minuscule studio qu'elle habitait, elle a absolument tenu à installer un carrelage noir et blanc et elle a parcouru des quantités de Leroy Merlin et autres magasins. Il faut toujours citer des marques, je pense, de magasins, surtout quand ils sont ouverts. De magasins de carreaux pour trouver des carreaux noirs et blancs. Bon, elle voulait des carreaux noirs et blancs, très bien. Et puis un jour, on en a discuté et elle m'a dit, non, elle est arrivée dans le bureau où je lui passais justement des livres pour les enfants et elle m'a dit, oh, elle a poussé un cri, elle s'est à moitié évanouie en voyant un livre qui s'appelait « Des invités très encombrants », un livre d'un auteur pour enfants que j'adore, qui s'appelle Anthony Brown, et dans l'intérieur duquel on voyait une cuisine avec des carreaux noirs et blancs. C'est-à-dire que cette cuisine en carreaux noirs et blancs s'était transmise, on ne sait pas comment, ça s'était inscrit au moment où elle avait lu ce livre, et lu et relu et relu comme font les enfants, et relu encore une quinzaine de fois, c'était inscrit dans son inconscient jusqu'à ressurgir quand elle a installé sa cuisine. Et ça, c'est l'image pour moi de la transmission reçu et donc donné par l'auteur du livre. Et puis, il y a une autre forme, puisque je disais que ça sauvait la vie, là, ça ne sauvait pas la vie, c'était juste une histoire de circulation. Si j'ai encore une minute pour raconter mon histoire de transmission qui sauve la vie, c'est une lettre d'un écrivain que j'aime énormément aussi et qui est assez mal connu quand même, et qui est d'ailleurs un auteur de théâtre, pour rejoindre l'ensemble des sujets des participants ici. C'est une lettre de Charlotte Delbault. Charlotte Delbault a écrit une trilogie de trois livres qui s'appelle Retour à Auschwitz. Et non, ça ne veut pas le dire, mais c'est pas grave. Et à l'intérieur, autour duquel, elle raconte comment c'est la pensée de Louis Jouvet, dont elle était l'assistante avant d'être déportée. Je n'entre pas dans tous les détails. Louis Jouvet, qui au demeurant n'était pas un immense résistant, il faut bien le dire. Et quand elle revient d'Auschwitz, elle écrit une lettre à Louis Jouvet où elle lui dit que c'est grâce à lui qu'elle a survécu. Et donc, je voudrais juste vous lire quatre lignes de cette lettre. Elle dit « Je ne veux pas vous raconter le long voyage que j'ai fait, ni vous expliquer les raisons qui m'ont obligée à vous quitter, etc. etc. Non, je vais vous dire pourquoi je reviens. Je reviens pour entendre votre voix. J'ai souffert les pires épreuves que le destin ou la Gestapo puisse accumuler sur un pauvre humain moyen. Mes chances d'en sortir étaient minces. La raison, le raisonnement, la statistique, l'observation quotidienne, chaque battement de mon cœur, un cœur qui ne bat que parce qu'on lui commande de battre, tout indiquait que la lutte était vaine. Ma certitude intuitive était fondée sur autre chose, sur la protection que vous et ma mère et vous m'apportiez. J'ai eu avec vous d'extraordinaires conversations. Nous avons parlé de tout, de tous ces gens que nous connaissions en commun, Alceste et Hermione, Électre et Don Juan. J'ai donc été plus près de vous ces trois dernières années que pendant les précédentes où pourtant je ne vous quittais pas. Trois années de méditation avec la mort et l'espoir m'ont donné le pouvoir de susciter les êtres dans leur vérité. Bon, je ne vais pas continuer, ce serait trop long, mais c'est très intéressant parce que c'est des personnages de théâtre comme des personnages d'opéra ou de livres qui vous permettent de survivre, tout simplement. Merci Geneviève, c'est effectivement placer la barre assez haut par rapport à cette question. Mais
Je pense que c'est quand même exactement là où les uns et les autres et cette conversation se place. Parce qu'après tout, en vous écoutant, je me disais, est-ce que ces initiatives formidables dans un musée, dans un opéra, est-ce qu'elles sont mesurables en termes d'efficacité? Est-ce qu'elles ont surtout pour effet de remplir notre besoin de transmettre à nous? Est-ce que après tout, on peut peut-être, d'ailleurs plein de gens le font, vivre sans aller au musée, sans écouter de la musique, sans lire un livre? Moi, ça me paraît quand même une vie diminuée. Mais à chaque fois, on est ramené à cette question, pourquoi ça vaut la peine et pourquoi il faut continuer à se battre pour pas être les seuls à profiter, en tout cas à vivre cette vie augmentée par la fréquentation des œuvres. Alors, Françoise a dit que la transmission, ce n'était pas seulement une affaire de goût. Mais je vous incite les uns et les autres, les unes et l'autre, à revenir à cette question. Alors, faites-moi un signe. Geneviève, tu as fait un signe, c'est ça? Oui. Alors, vas-y, et puis après, je passe la parole à Françoise. Oui, comme chacun son tour, comme disent les enfants. Moi, je suis convaincue, parce que c'est vraiment une affaire de conviction, qu'on assiste aujourd'hui, peut-être que c'est un retour de, comment dire, un contre-effet, comme disait Françoise tout à l'heure, du confinement, des zooms, de l'enfermement, qui nous donne terriblement envie de voir des gens, de les embrasser, de les serrer dans nos bras et de faire des choses avec eux, parce que brusquement, on en mesure le goût, l'intensité, le bonheur et l'augmentation de vie dont on ne savait même pas qu'on était privé. Je crois qu'il y a une conviction qui était très forte dans les années 70, tout simplement, en particulier autour des livres, et des livres pour les enfants, qui a subi une crise dans les années 90, victime assez largement de son succès. Je ne suis pas certaine que ce soit pas la même chose pour les musées, pour ce que j'en sais. Pour les théâtres, je connais pas, je sais pas. Et pour l'opéra, je pense que c'est au contraire quelque chose qui est en train de se passer maintenant. C'est l'impression que j'ai. Enfin, tout ça, c'est vraiment c'est même pas du doigt mouillé, c'est plus rien du tout. Mais c'est très frappant que dans les années 70, quand les bibliothécaires, comme les bibliothécaires de Clamart, comme Geneviève Patte, lançaient ses activités avec les bibliothécaires d'Île-de-France, avec quand Madame Schlumberger finançait la joie par les livres, etc., etc., il y avait une joie, une énergie, une créativité et aussi une drôlerie. C'est-à-dire que les livres, il y avait pas tant que ça, c'était un peu avant-gardiste, hein, les livres pour enfants insolents et rigolos, mais ça a percuté grave. Et quand ça s'est mis à très bien marcher, tout le monde s'est mis à en faire d'une manière industrielle, d'une manière rentable, d'une manière à ne faire peur à personne, d'une manière à n'inquiéter personne. Et toutes sortes de choses sont devenues impossibles et donc fades. Enfin, du moins, les livres qui paraissaient, du coup, puisqu'on ne pouvait plus faire des trucs drôles, devenaient fades et assez inintéressants. C'est vrai aussi très largement, souvent, pour l'édition. C'est-à-dire que, évidemment qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, parce que sinon, ça n'a aucun goût, parlons du goût de l'art. Et évidemment, ce qu'on a envie de faire est plus intéressant quand on est très cultivé que quand on ne l'est pas. Mais ça, il faut avoir le courage de le dire aussi. Et par démagogie, parce qu'il y a la démocratie et il y a la démagogie, on est arrivé à raconter que n'importe qui pouvait écrire un livre pour enfants parce que de toute façon, c'était idiot. Et quand on disait « Tom, prends son cartable et va à l'école », ben c'était génial. Et si on pouvait dessiner une petite école avec une cheminée, c'était encore super. Mais non, ce n'est pas ça. Une œuvre d'art et les enfants font très bien la différence. Et mettre des mots que les enfants ne comprennent pas dans les livres, moi, j'ai toujours trouvé que c'était super. Mais des mots aussi bien comme des mots vulgaires et des mots rares, des mots précieux et des mots très familiers, mélangés, parce qu'en fait, c'est ça la culture. En écoutant tout à l'heure parler du goût de l'art, je pensais que quand j'étais petite, je croyais que c'était du lard. Et donc, je me disais, le goût du lard? Mais exactement de la même façon qu'il y avait un cabaret qui s'appelait le Port du Salut, et je me disais, pourquoi ils ont appelé leur truc le Port Salut?
Parce que moi, je connaissais le port salut et le lard. J'étais un peu centrée sur la nourriture. Et donc, je ne comprenais pas très bien ces deux appellations. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre de quoi il s'agissait vraiment. Merci. Le goût des mots, effectivement. Françoise, tu voulais réagir aussi ? Oui, enfin, un petit peu en désordre. Peut-être, moi, première chose, je pense que la transmission se fait beaucoup à l'aveugle. Et à partir de toutes petites victoires qu'on peut remporter, moi je le vois avec mes étudiants, des petites victoires sur pour construire. Alors moi j'enseigne l'économie, c'est pas de l'art, hein, mais j'enseigne quand même, quel que soit l'enseignement qu'on essaye de transmettre, il y a derrière la volonté de créer un rapport cultivé au monde. Et donc quand, par exemple, on travaille sur des textes avec des étudiants qui ont du mal avec le français et avec ce rapport cultivé au monde et qu'ils découvrent quelque chose dans ce texte, même qui n'a rien de littéraire, eh bien, c'est une petite victoire. Donc voilà, c'est la collection des petites victoires qui peut faire quelque chose. On peut appeler ça des joies. Des statistiques, mais c'est important. Puis ma deuxième remarque, pour rebondir sur ce qu'a dit Geneviève, évidemment que j'ai adoré comme d'habitude, mais en même temps, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Par exemple, quand tu dis l'art n'a rien à voir avec la réussite sociale, si c'était si simple. Non, je crois pas. Pour les gens, nombre de cas, l'art a à voir et la fréquentation de l'art très souvent, mais même l'art tout court ont à voir avec la réussite sociale. Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas que des artistes dissidents et des artistes en colère. Donc, juste une remarque, hein, mais ce n'est pas pour être en opposition à ce que tu as dit par ailleurs. Caroline, tu veux prendre la parole ? Oui, non, c'est juste pour réagir à ça. Puis c'est surtout parce que j'ai eu une coupure, l'Internet. Je vous ai quitté quelques instants, désolée. Donc, j'ai pas vraiment entendu ta question, Véronique. Mais non, c'est aussi parce qu'effectivement, je m'étais aussi posé la question en écoutant Geneviève Brisa concernant ce rapport de l'art et de la réussite sociale. Ça peut malheureusement aussi être justement un peu l'inverse avec cette réaction systématique des enfants quand même qui peuvent être fascinés aussi par le chanteur, par l'artiste connu, on a eu aussi des enfants, alors pas dans nos cœurs d'enfants, hein, mais dans un autre cœur, un enfant qui a été énormément poussé par ses parents parce qu'il avait effectivement une voix extraordinaire, mais qui, à mon avis, l'enfant, il est un peu perdu aujourd'hui parce qu'il a été extrêmement poussé par les parents qui ont tout de suite voulu le mettre à la télévision. On voit bien ces réflexes-là. Donc, ces questions-là, voilà, c'était, disons que malheureusement, effectivement, la réussite sociale, elle se passe un petit peu sur un autre plan et qui est pas le plus glorieux. En revanche, sur la question de la qualité, c'est aussi moi quelque chose que je défends beaucoup, c'est qu'effectivement il faut avoir un haut niveau de qualité, d'exigence artistique, parce que c'est effectivement comme ça qu'on attire un autre public. Aujourd'hui, je crois que les enfants, mais l'ensemble du public fait vraiment la différence. On n'est plus dans une société où le public ne connaît que l'Opéra de Lille et sa province. Aujourd'hui, tout est disponible. Et les concerts de rock et autres propositions sont d'excellente qualité aussi visuelle, du point de vue sonore, du point de vue. Donc on ne peut plus être en deçà. Et je crois que c'est effectivement un élément extrêmement important. Oui, ça. Je pense que c'est effectivement le rôle des grandes institutions comme une institution de recherche de haut niveau, c'est-à-dire en permanence en train d'aller encore ailleurs, quoi. Oui, mais cette question du savoir-faire, elle peut être aussi vraiment mise en valeur dans ce cadre-là, parce que la musique a cette question, alors qui est une vraie barrière, hein, de la technique en permanence, parce que on en sort un petit peu de cette idée qu'il faut faire du solfège pour apprendre un instrument, mais on est quand même sur toujours une technique. Et donc, pour passer au-delà de ça, effectivement, il y a cette question quand même du savoir-faire et qui reste une très, très belle chose à transmettre. Et qui est magique dans oui. ses effets. Jean-François, tu veux intervenir? Oui, moi, j'avais
ce que vous avez dit m'a évoqué plusieurs choses. Je me souviens d'une étude de l'INSEE. Je suis sûr que c'est de l'INSEE. Je ne vous retrouverai pas les références sur le champ, mais je suis sûr des conclusions, qui avait essayé d'analyser justement par rapport à l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que le théâtre pour le jeune public, la musique pour le jeune public, le musée pour le jeune public, la lecture pour le jeune public produit des visiteurs et des lecteurs ou des lectrices à l'âge adulte. Et en fait, la conclusion de cette étude, conclusion provisoire de cette étude, mais qui avait porté sur un assez gros volume, notamment, je crois, Françoise me corrigera peut-être sur l'ancienne enquête d'emploi du temps de l'INSEE, c'était de dire qu'en gros, la seule dont on avait un peu, si je puis dire, la preuve de l'efficacité, c'était la lecture. Et que finalement, un enfant qui avait développé le goût de la lecture aurait en prime, si je puis me permettre l'expression, à l'âge adulte, l'envie de la sortie théâtrale, musicale ou muséale. Alors, ça laisse à réfléchir d'ailleurs sur peut-être parfois nos politiques de segmentation extrême en matière de culture, c'est-à-dire qu'on veut faire souvent dans l'éducation artistique et culturelle un peu de tout, et c'est peut-être pas, je m'interroge souvent là-dessus, peut-être pas toujours une bonne idée, peut-être qu'il faudrait concentrer les moyens sur la lecture, si on s'aperçoit que c'est ce qui est le plus utile, ce que j'aurais tendance à penser également, plutôt que de faire des choses très segmentées, très sectorielles, et qui, à la sortie, manquent certainement d'efficacité parce qu'elles manquent de concentration financière. Le deuxième point sur lequel je voulais reprendre un peu la discussion, c'est sur l'histoire art et réussite sociale, qui effectivement est un vieux sujet. Enfin, il faut jamais oublier que Bourdieu, quand il entreprend l'amour de l'art en 1966, c'est après avoir lu un auteur bien oublié, chacun a ses auteurs oubliés, qui est Thorstein Veblen, que Françoise doit être la seule qui connaît à lire encore aujourd'hui. Non, mais à lire encore aujourd'hui, je pense que et qui justement liait beaucoup les pratiques de fréquentation culturelle et de goût entre guillemets ou de pseudo-goût pour l'art à une logique de réussite sociale. C'est une fois qu'on avait acheté les meilleures marques de cigares et de cognac, c'était évidemment inspiré d'une observation des nouveaux riches américains, la classe de loisirs s'intéresser à l'art. Alors ça, je pense que c'est à la fois encore vrai et complètement faux. C'est-à-dire que encore vrai parce que dans le secteur de l'art contemporain, le travail des galeries justement, c'est d'aller détecter ce qu'ils appellent pudiquement les nouveaux collectionneurs, qui se confondent souvent avec la rubrique saumon la page saumon du Figaro, mais qui est justement l'idée de régénérer leur chiffre d'affaires avec des nouveaux collectionneurs. C'est devenu moins vrai en ce sens que on ne prétend peut-être plus autant, et c'est ce que dit d'ailleurs la phrase que citait Françoise tout à l'heure, on ne prétend peut-être plus justement je pense qu'effectivement pour un homme politique ou pour une femme politique, le fait de prétendre s'y connaître en lecture, en art ou en musique est devenu sans doute un peu moins important que dans le passé. Donc il y a une espèce d'ambivalence sur cette logique d'art et de réussite sociale. Je parle pas de la question des artistes et la réussite sociale, qui est à mon avis, enfin qui est une question complètement différente, sur laquelle Françoise a parfaitement raison. Je pense que l'artiste devenir artiste n'est pas aujourd'hui dans beaucoup de cas sans arrière-pensée de type réussite sociale. Et le troisième point, je m'arrêterai là, sur lequel je voudrais pas répondre à Geneviève, mais justement peut-être aller dans son sens, c'est-à-dire que effectivement dans les différents secteurs, je parle du secteur musée que je connais un peu mieux que les autres, la prolifération de l'offre n'est pas sans impact sur les fréquentations. Dans le dernier livre de Christophe Pomian sur l'histoire mondiale des musées,
il se hasarde à une statistique en disant d'ailleurs qu'il n'est pas du tout sûr de ses chiffres, il a raison de le dire, c'est qu'en gros, à l'échelle mondiale, dans les années 70, on recensait de l'ordre de 10 000 institutions muséales. Aujourd'hui, le chiffre qu'il compile, en fonction de différentes sources qu'il cite, d'ailleurs, sont assez intéressantes parce qu'il en critique d'ailleurs les deux tiers, il a raison, c'est 85 000. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le phénomène muséal s'est emballé en fait depuis 50 ans, puisque la différence de temps. Et que, d'une certaine mesure, il peut y avoir une question qui est effectivement troublante pour les responsables d'institutions, c'est-à-dire on nie jamais que éventuellement des gens ont peut-être cessé d'aller au musée, au théâtre, à l'opéra et autres parce qu'ils ont eu des expériences désastreuses. Il faut aussi peut-être évoquer cette question qui n'est pas non plus complètement indifférente. Moi, je suis parfois un peu terrifié de voir nous arrive tous en fréquentant les musées de voir des visites scolaires. Et j'essaie généralement de jamais écouter ce qui s'y dit parce que je fuirai en courant dans les 4/5 des visites qui sont proposées. Donc il y a peut-être entre cette prolifération, c'est-à-dire tout n'est pas, c'est peut-être pas simple à admettre, mais tout n'est pas l'expansion indéfinie de l'offre culturelle n'a pas toujours un. Alors je sais que dans le secteur de l'édition, c'est une de vos marottes historiques sur. Tous les ans, il y a le débat sur est-il raisonnable 600 nouveautés à la rentrée littéraire. Enfin, et à ce moment-là, il y a la moitié des éditeurs qui seraient critiques, qui disent non, il n'y a pas de surproduction, etc. Mais nous, on est confrontés effectivement dans le domaine muséal un petit peu à la même question. Alors, très inégalement, c'est sûr que la situation parisienne est critique. Ça explique d'ailleurs en partie le fait que les musées parisiens auront beaucoup de mal dans les prochaines années à se remonter de la crise parce qu'ils chassent sur les mêmes terres et ils ont en plus tous à peu près perdu l'habitude de parler avec le public parisien. Donc, puisqu'ils n'en avaient plus besoin, puisque par définition, il était même devenu gênant, puisque finalement, d'une certaine mesure, il avait la prétention de rentrer rapidement dans les lieux sans faire la queue et sans réserver sur Internet, ce qui évidemment aujourd'hui est devenu quelque chose de tout à fait intolérable pour un responsable d'un département des publics d'un grand musée. Et donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil à Marseille où l'offre muséale n'est pas saturée. Enfin, je pourrais en parler longuement. On pourrait encore la développer un petit peu, me semble-t-il. Mais voilà, je pense que y a cette question de la prolifération est peut-être une question effectivement assez taboue parce que c'est toujours délicat de dire il y a trop d'offres culturelles. C'est pour ça que je citais les polémiques historiques et classiques en matière d'édition. On l'utilise moins dans le secteur des musées ou du théâtre, mais on peut aussi se poser la question si dans certains cas, il n'y a pas eu une superposition de l'offre qui n'a pas que des effets positifs sur les fréquentations. Merci Jean-François. Donc, on peut retenir une hypothèse. La lecture est la clé de toutes les autres pratiques culturelles. Moi, ça me va assez bien. Ça va bien dans la mesure où, en plus, grâce au prix du livre, grâce au réseau des médiathèques, on a de quoi faire, mais ça suffit pas forcément. Et malgré le côté paradoxal de tes remarques sur l'éventuel offre trop abondante. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée quand je travaillais en Île-de-France, c'est la coexistence d'une extrême concentration d'offres culturelles de toutes sortes. Les bibliothèques peut-être étaient moins en vue que toutes les autres offres muséales, théâtrales, musicales. Et la présence, je dirais à quelques mètres de chacune de ces grandes institutions, de plein de gens qui ne les voyaient pas et qui ne considéraient absolument pas, enfin de toute façon ils avaient même pas, ils n'ont même pas ce raisonnement qui pour eux non seulement ils jugent que c'est pas pour eux, mais ils ne les voient pas. Et c'est le cas d'une très grande ville comme Paris ou la région parisienne, où il y a une coexistence entre des gens cultivés
peut-être aussi riches, c'est pas forcément les mêmes, hein, et des gens qui passent complètement à côté. Et pour moi, je ne peux pas me satisfaire de cette situation. C'est pour ça que je trouve vraiment vraiment très très important ce que chacun d'entre vous vous faites, Jean-François au Mucem, Caroline Sonrier à Lille, Geneviève comme écrivaine, essayiste, éditrice, et Françoise dans tous les textes et toutes les analyses que tu proposes. En fait, ce sont des mots un petit peu de conclusion. Je suis désolée parce que je vais ne pas pouvoir vous redonner la parole. Il faudra qu'on recommence cette discussion, j'allais dire de vive voix et en présence, l'année prochaine peut-être à Lille. Et je vous remercie toutes et tous chaleureusement pour votre présence et tout ce que vous avez apporté en réponse à cette question. Le goût de l'art peut-il se transmettre ? Merci et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.